Et là, effectivement, la plupart des barrages écoutaient RTLM. Et c'était très facile pour moi de le savoir. Pourquoi ? Parce que la RTLM, encore à cette période-là, comme au début, avait très souvent de la musique zaïroise. En revanche, quand vous êtes à un barrage de milice, et puis que vous voyez des gens au bord de la route, assis, que vous savez très bien qu'à peine votre voiture aura fait 200 mètres, on va les tuer. Et vous savez que vous ne pouvez rien. Yes. Now, after this visit, did you go back home? Oui, effectivement, je suis immédiatement rentré en Europe pour, bon, d'abord pour diffuser les images en question. Donc j'ai rassemblé tous les éléments que j'avais sur la radio-télévision Les Mille Collines et nous avons décidé de concert avec les responsables de Reporters sans frontières que nous allions demander en tant qu'ONG à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, premièrement de condamner l'action menée par la radio-télévision Les Mille Collines et d'autre part d'intervenir auprès du gouvernement rwandais pour qu'il la fasse cesser. During the genocide, there was discussion in the United States, I think also to a certain extent at the United Nations, about the possibility of blocking radio RTLM. This could have been done from the air by the use of special technology and without any implication of ground forces. And the ultimate decision that was made at the U.S. Pentagon, I believe, Pentagon level, was no, we won't do this because the cost would be $8,000 more or less, $8,000 an hour. Did you meet the accused again, NAHIMANA again? Alors, je l'ai rencontré à nouveau au début du mois de juin. Je l'ai rencontré à deux reprises, le 9 puis le 15. Can you tell the court the subject of discussions, if you had any discussion with him? Nous avons discuté de plusieurs choses, mais avant toute chose, je lui ai fait part, ou plutôt je lui ai posé la question de savoir s'il était au courant du fait que j'étais intervenu au nom de Reporters sans frontières devant la Commission des droits de l'homme trois semaines plus tôt, et que j'avais, toujours dans cette intervention, émis l'opinion qui était celle de Reporters sans frontières et la mienne, selon laquelle il était la cheville ouvrière de cette radio. Sur quoi Ferdinand NAHIMANA m'a répondu qu'il était au courant de cette intervention, mais il n'en a pas tiré raison d'interrompre l'entretien. Simplement, il a contesté devant moi être aux commandes de la RTLM à ce moment-là. Les grands manquants. Les grands manquants dans cette affaire, nous les connaissons. Ce sont les dirigeants de la radio RTLM en 1994. Et singulièrement après le 6 avril 1994. Ces grands manquants, l'un est mort en prison au Rwanda, Phocas Habimana, directeur de la RTLM. L'autre est en fuite ou mort, pour ma part, je n'en sais rien, Gaspard Gaïgui, rédacteur en chef. So one of the things in law is if you become involved with an organization and you become involved with creating it and you become involved with assisting it and directing it and then you continue to support it and you don't denounce it or try to separate yourself from it, you remain responsible. It's like you set the car in motion to run down the hill and it runs over people. You're responsible even though you're no longer behind the wheel unless you call the police, unless you do various things to try to prevent that. So, you know, on a variety of theories, he's responsible, and more responsible than actually the journalists that were there. On a voulu juger les coupables absents à travers les accusés présents.
Please be seated. Bonjour à toutes et à tous. La Chambre d'appel abordera aujourd'hui l'appel proprement dit et entendra les arguments des parties dans cette affaire. L'appel n'est pas un nouveau procès. Et les appellants ne peuvent se contenter de réitérer les arguments déjà entendus en première instance. Conformément à l'article 24 du statut, les arguments des appellants doivent être limités aux erreurs de droit qui invalident le jugement et aux erreurs de fait qui ont entraîné un déni de justice. Donc chacun des appelants disposera d'une heure 50 minutes pour leur présentation. Après, on entendra l'accusation. Ceci dit, j'aimerais à présent inviter les conseils de la défense de M. NAHIMANA à présenter leurs arguments. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il y a 10 ans, presque jour pour jour, Ferdinand NAHIMANA se présentait devant ses juges pour la première fois et devant le président Kama, dont chacun honore la mémoire, il plaidait non coupable sur chacun des chefs d'accusation. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous dire à nouveau non coupable. L'une des questions, la question centrale peut-être, posée par ce procès est celle des causes. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes ont été aveuglés par la peur et la haine au point d'aller massacrer leurs voisins, voire leurs amis? Que s'est-il donc passé? Sur cette question, il faut examiner la pleine et entière matérialité des faits. Et on ne peut pas uniquement examiner les paroles et refuser d'examiner les événements eux-mêmes, les actes, sans parole, qui se sont produits. Le premier moyen d'appel fondamental est celui-ci. Avant le 6 avril 1994, il n'existe pas d'attaque systématique contre une population civile caractérisant l'élément contextuel du crime contre l'humanité. Crimes against humanity is, of course, a concept that we do not often use at the national level. It's an international concept, and it's maybe a bit difficult to relate to. But according to the statute and to case law, crimes against humanity is a widespread and systematic attack against the civilian population. And not any crime will be considered as a crime against humanity. It must be a certain kind of crimes, and we are talking about serious ones, such as rape, murder, torture, etc. Sur ce point, un constat. Le jugement lui-même écarte l'existence d'une attaque généralisée avant le 6 avril 1994. Alors cela pose une question évidemment essentielle, car si aucune attaque systématique n'est caractérisée avant le 6 avril 1994, on ne peut pas retenir l'existence de crimes contre l'humanité, quels qu'ils soient, l'élément contextuel n'étant pas caractérisé. What was different after the 6th of April was that the violence was then active rather than latent, and the radio at that point in particular was used to help mobilize people to carry out that violence. L'histoire nous démontre que ce sont d'abord les actes qui déchaînent les violences. Deux présidents Hutu, le président Ntaryamira,
le président Habyarimana, du Burundi, du Rwanda, sont assassinés à Kigali. On ne peut pas examiner la question de l'incitation, des mécanismes du déclenchement de la violence dans les esprits, si on refuse d'examiner ces événements. Il y a là un paradoxe absolument insoutenable. Nous savons ce qui se passe le 6 avril 1994, l'attentat du 6 avril. Après cette date, la haine fait perdre la raison et la radio et ses journalistes vont basculer dans la dérision, dans l'assimilation des combattants du FPR que l'on veut exterminer, de l'assimilation de la population tutsi à ses combattants. Je ne dis pas que les paroles n'ont joué aucun rôle. Je ne l'ai jamais dit. Et non seulement je ne l'ai jamais dit, mais M. Nahimana et moi-même, nous avons toujours soutenu haut et fort que les émissions qui se lancent à partir, lorsqu'elles reprennent après le 6 avril, c'est-à-dire vers le 10 ou 12 avril, lorsqu'elles reprennent, ces émissions sont, je cite M. Nahimana lui-même, des outils de tuerie. Never a word until he took the stand in his own trial in September of 2002. Never did he say a word denouncing the radio station. In Cameroon, he put out a statement in 1996 saying that it was essentially a radio of, you know, it was a part of the armed conflict. It was part of the force of the country, and proud of what RTLM had done in 1996 at a time when all the world knew what it had done. La chambre d'appel constatera que la preuve présentée ne permettait à aucun juge du fait de retenir l'existence d'incitation à la haine et à la violence avant le 6 avril 1994. La chambre d'appel constatera que, pendant cette période bien délimitée, les émissions de la RTLM n'enfreignent aucune prohibition internationale. Je souligne bien, n'enfreignent aucune prohibition internationale. Donc c'est un élément fondamental que de dire, écoutez, entre le 6 avril, le 1er janvier et le 6 avril, il n'y a pas eu, d'une part, les attaques systématiques et généralisées, et au cours de cette période, il n'y a pas eu d'émissions qui ont appelé la population rwandaise à s'entretuer. We enter here into a very difficult area in terms of freedom of expression. And as you certainly know, Americans tend to be more liberal on these questions than people in many other parts of the world. And to feel that anything short of direct incitement to immediate violence should be permissible, even if it is hate speech. And we have a constitution that essentially says you cannot criminalize hate speech. Hate speech is permitted in America as long as it's not directed toward violence. Le droit international autorise la présentation des conflits en termes d'affrontements ethniques, religieux, nationaux. Catholiques et protestants s'affrontent en Irlande, on a le droit de le dire. On a le droit de dire que chiites et sunnites s'affrontent en Irak. On a le droit de dire que Emma et Landou s'affrontent en Ituri au Congo. On avait le droit de dire que Hutu et Tutsi s'affrontaient, rivalisaient pour le pouvoir en 1994. Quelle que soit la dangerosité de cette opinion, quel que soit son caractère erroné, on avait le droit d'affirmer que le FPR représentait la communauté tutsi dans cet affrontement. C'est-à-dire d'assimiler
abusivement, très certainement, d'assimiler les Tutsis au FPR. Et je me réfère pour cela au procureur lui-même. Et encore